Alors, je m'appelle Léona Graal, j'ai 23 ans et je suis débutant en tant qu'humoriste. Okay. Ou je débute dans l'humour, c'est peut-être plus mieux comme ça. Ça fait moins. Alors, bah, je m'appelle Léona Graal, j'ai 23 ans, je viens de Charolles et je suis humoriste débutant. Et l'humour m'a toujours beaucoup plu depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire rire les gens. Et là, je décide de me lancer, voilà, j'ai écrit un sketch que j'ai écrit moi-même, que j'ai réalisé moi-même et puis que j'ai raté moi-même aussi. Et totalement par hasard, je suis tombé sur l'annonce de casting de la scène du Cygne. En recherchant, voilà, j'avais envie de me produire ou d'intégrer une troupe de théâtre. Et je suis tombé sur cette annonce, je me suis dit, bah, c'est peut-être ma chance, je vais postuler et puis j'en risque rien. Quoi. J'ai envie juste de dire au public, j'espère qu'ils vont bien aimer mon sketch. Et puis, vu que c'est le premier, soyez pas trop méchants. Quoi. Voilà. Bonsoir, monsieur l'homme. Est-ce que ça va ce soir? Oula, mais il y en a qui dorment au fond, là, ou quoi? Est-ce que ça va ce soir, Charnay les Macons? D'accord, ça, on se calme. Hein. Non, je retire ce que j'ai dit, vous avez de l'énergie, c'est très bien. Hein. Vous avez raison, moi aussi j'ai de l'énergie. Surtout le matin. Je me réveille toujours en me disant... J'ai envie d'aller bosser. J'ai un job extraordinaire. Je travaille à l'usine. Quoi? Pourquoi il y en a qui se marrent, là? C'est à cause du nœud papillon, c'est ça? Ouais, je sais que j'ai pas la gueule de l'emploi, mais j'allais pas me ramener avec un masque, la blouse et la charlotte. Hein. Tu vois un peu la panoplie complète de la tête de con, quoi. Surtout la charlotte. Ah attends, regarde. Je vais te montrer, moi. Voilà. Regarde un peu la tête de gland que ça me fait, là. T'as vu comment mon niveau de sex appeal, qui était déjà pas bien haut, vient de chuter instantanément, là? Oh, je demande pas de faire appel à un designer pour les tenues de travail. Mais là, c'est carrément un manque de goût. Hein. Va essayer de draguer une petite intérimaire en étant sapé comme ça, toi. Enfin bref, l'industrie agroalimentaire oblige... On doit porter cette merde. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais je travaille dans une fabrique de produits surgelés. Plus précisément, on fait des bûches, voyez. Alors, pour vous expliquer, moi, je suis devant un tapis roulant pendant 8 heures et je mets des pépites de chocolat sur des bûches qui défilent pendant 8 heures. Vous êtes jaloux, hein? Oh non, franchement, c'est super comme taf, c'est peinard. Mais au bout de 4 heures, t'as déjà le cerveau grillé. Du coup, tu fais le truc machinalement, t'es là, t'es vide à l'intérieur. T'as la même chanson de merde qui repasse en boucle dans ta tête parce que c'est la seule animation que t'as trouvée pour pas te tirer une balle. Partenaire particulier. Non, c'est super, l'usine, c'est super. Hein. Je vais vous dire un truc. Honnêtement, mettre les pépites de chocolat, c'est le truc le plus tranquille. Hein. Le pire, c'est les grains de café. Les grains de café, mon vieux, ça rigole pas. Hein. Faut absolument les déposer du bon côté. Pour bien que le dessous du grain, si tu veux qu'il est bien lisse, soit sur le dessus de la bûche. Alors, quand t'échappes sur la bûche un putain de grain qui tombe du mauvais côté... c'est la merde. Parce que tu dois le remettre droit le plus rapidement possible. Sans que la chef te voie. Et sans foutre la bûche en bordel, attention. Parce que si t'as le malheur de la toucher avec tes doigts, la bûche, t'as toute la crème au beurre qui fout le camp. Hein, donc faut seulement retourner le grain délicatement, sans toucher la bûche. Je te jure, j'ai l'impression de désamorcer une bombe à chaque fois, moi. Et je te rappelle aussi que t'as le tapis qui continue d'avancer à 200 à l'heure, avec les autres bûches qui arrivent. Alors tu prends du retard, tu t'éloignes, et après tu finis couché sur le tapis, et t'es aspiré dans le congélo. Et voilà. Non, c'est super l'usine, c'est super. Moi je suis débutant, donc je galère à mort, tu vois. Mais t'en as, ils ont 20 ans de boîte. Faut voir, ils maîtrisent le lancer de grains de café comme personne, hein.
Ah bah je te jure, il les balance même le dos tourné, les gars, t'sais. Alors Roger, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Oh moi j'étais au golf, c'était sympa. Et tu peux vérifier. Les grains tombent parfaitement du bon côté. Des pros, les mecs, moi je les admire. Hein. J'aime autant vous dire que j'en prends de la graine. Alors, il y a même une fois où j'ai bossé avec mon père. Alors lui, quand il est arrivé, il mettait les cacahuètes en début de ligne. Et moi, un peu plus loin, je mettais les amandes. Du coup, on nous appelait Ben et Nuts dans l'usine. Hein. Et du coup, il y a une fois où mon père, il était en face de moi, de l'autre côté du tapis. Et du coup, on mettait les grains de café ensemble, justement, de chaque côté des bûches. Alors au début, mon père, il m'engueulait en me disant « Oh mais putain, Léo, mais fais attention, mets-les dans le bon sens !» 2 minutes après, quand il a vu quel bordel c'était, il m'a dit « Non mais laisse-les passer comme ça, c'est bon, on s'en branle, oh, te fais pas chier, va, t'inquiète. » Merde, la responsable. Oh, quand elle venait voir comment on se débrouillait, bah, je te garantis qu'on faisait hyper gaffe de mettre les grains dans le bon sens. Hein. On était concentrés, mon vieux, mais comme si notre vie en dépendait. Hein. Et puis dès qu'elle repartait, hop, on se faisait plus chier, on les remettait comme ça. D'ailleurs, cette grosse conne de responsable, là, elle est jamais, jamais contente de ce que tu fais. Elle a toujours un truc à redire. Bon, un coup, je suis en train de mettre mes petites pépites de chocolat tranquille, pépouce, comme d'hab. Léo, est-ce que tu peux mettre un peu moins de pépites sur ta butte? Quoi? Moins de pépites sur ta biche? Hein? Moins de pépites sur ta bite? Pardon? T'as très bien compris ce que je voulais te dire, hein? Mais elle me fait chier, elle. Alors à ce moment-là, moi, je prends une bûche à pleine main, tu vois. Et je la bouffe! Bon, Léo, ça va pas du tout, là. Essayez au moins de bouffer entièrement la bûche et de pas foutre des miettes partout, enfin! Bon, et là, je baisse ma braguette et je commence à pisser sur les bûches, tu vois. Ouais, puis je m'en donne à cœur jouer et tout. Ah mais Léo, mais ça va pas la tête. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Mais pisse bien dans le sens de la longueur de la bûche, c'est plus esthétique, enfin! Mais je vais te la mettre dans le cul, la bûche, moi! Oh, pardon. Excusez-moi. Je me suis un peu emporté. Non, c'est super, c'est super. Par contre, un conseil. N'achetez surtout pas de bûches surgelées au supermarché. Pour votre santé physique et la santé mentale des intérimaires. Merci beaucoup. Merci, merci Léo Nagral. Eh ben, c'est plutôt pas mal passé, n'est-ce pas? Ah bah écoutez, je vais te le dire en québécois, je suis bien content d'être là. Oh bah écoute, c'est très bien, très non, bien. Non vraiment, limité. Très très bon public, c'était un bonheur immense. Ah bah écoute, ça fait plaisir, vraiment. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci, merci beaucoup. Pardon. Demandons maintenant à notre juge, et je vais bien sûr commencer par Camille. Bravo, c'est pas facile, c'est un exercice super compliqué ce que tu viens de faire parce que l'humour, bah voilà, c'est qui tout double. C'est ça. Donc bravo d'avoir aussi écrit un sketch et pas fait une reprise d'un autre parce que c'est un petit peu compliqué. Tu joues bien en termes de placement de voix, enfin voilà, moi je vois surtout sur l'aspect de la voix, ta voix elle est bien placée sur tes personnages, enfin sur tes différents personnages de ta prestation. C'est pas trop, voilà, à part sur le placement de voix, après c'était rigolo, mais j'ai pas, scéniquement, je vais plutôt demander à David. Oui, tu peux me demander, tout à fait. Alors j'ai ri, déjà, c'est une bonne chose. Merci. Ta plus grande fan se trouve au premier rang juste derrière nous. Hein, j'ai entendu, oui. Voilà, j'ai c'est repéré. Cette dame-là. Voilà, tu l'as repérée, tu pourras voir avec elle directement. Je rejoins Camille. Ce que j'ai apprécié, alors effectivement, faire un sketch, c'est vraiment qui tout doux, ça peut être chiant comme la mort ou alors hyper top, voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est effectivement tes changements de mimique, je m'énerve, je suis rigolo, j'occupe l'espace. Je mime, voilà. C'est vrai qu'on a eu à peu près tous les aspects de ce qui peut être drôle. Et voilà. Et c'est ton premier sketch, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre dans tu l'as écrit et c'est toi qui. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. Ok. Donc déjà félicitations pour l'écriture, on va dire. Oui, on veut la. Bravo. Bravo. Merci.
Et c'est vrai que on m'aurait dit il va y avoir un sketch sur les grains de café et j'aurais pas forcément misé tout de suite sur de la grosse rigolade, mais c'était plutôt réussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Virginie. Eh ben, déjà, félicitations, parce qu'effectivement, je pense que c'est un des exercices le plus difficile, en fait, de tenir la scène comme ça, tout seul, pendant plusieurs minutes, sur un sketch qu'on a intégralement écrit. Moi, je vais saluer donc ta présence scénique, effectivement, tes changements de personnage, ton jeu théâtral, tes différentes mimiques, qui vraiment accompagnent très très bien tes personnages, ton placement de voix, je vais rejoindre Camille, effectivement, ton énergie, voilà. Ton langage interdit aux moins de 18 ans. Non, mais c'était très bien. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ça fait un beau lot de compliments, n'est-ce pas ? Très beau lot de compliments. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je vous laisse regagner la loge. Léo Nagral. À bientôt, bonne soirée. Le prochain et dernier candidat est un jeune Mâconnais. Quoi, encore un ? Oui. Mais celui-là, il est encore plus, c'est le cadet, il a 16 ans, messieurs, dames. Et il est fan...